Apple devra rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande. Et Dublin prépare déjà un appel contre cette amende record que vient d'infliger la Commission européenne à Apple. La décision de Bruxelles se fonde sur des avantages fiscaux accordés par l'État irlandais à la marque à la pomme. Apple n'a payé en Irlande qu'environ 2% d'impôts par an, alors que le taux officiel irlandais est de 12,5%. En vertu des règles européennes, il y a donc là un délit d'aide d'État illégal. L'Irlande doit maintenant récupérer les impôts impayés par Apple sur son territoire entre 2013 et 2014, à savoir 13 milliards d'euros plus les intérêts, écrit l'exécutif européen. Voilà 3 ans que la Commission a enquêté sur cette affaire. La procédure n'est pas inédite à Bruxelles. Fiat et Starbucks ont déjà été épinglés pour des délits similaires. L'amende d'Apple, toutefois, reste excessivement élevée.